Let's go. Après son opération au poignet qui a nécessité une longue rééducation, Christophe Beguin a repris la compétition ce mardi à l'occasion de la venue d'Alost en match d'alignement au RTL Spirodome. La première confrontation de l'année était un premier test pour le pivot Carolo qui était impatient de reprendre le collier. Nous lui avons demandé son sentiment à l'issue de son comeback. Alors Chris, content de retrouver ta place dans le vestiaire ? Ouais, tout à fait, mais c'est surtout retrouver un peu le groupe, parce que voilà, quand on est blessé comme ça aussi longtemps, on est un peu à l'extérieur du groupe, donc c'est pas toujours facile. On s'entraîne beaucoup avec les préparateurs physiques pour revenir, mais voilà, on est un peu exclu du groupe, je vais dire, et ça fait du bien d'être de nouveau de retour. Quoi. On a senti logiquement le manque de compétition après 8 mois d'absence. Ouais, voilà, il faut retrouver aussi des automatismes. Comme je dis, physiquement, je me sens bien, mais c'est un petit peu le rythme basket qui me manque pour le moment. Ça fait finalement qu'une semaine et demie que je rejoue vraiment avec le groupe. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà, tant que tout le reste tient, je suis déjà très content. Tu avais certainement espéré une meilleure issue pour ton retour sur le parquet. Et voilà, notre premier match, on est passé un petit peu à côté, mais voilà, il faut relever la tête très vite. On a déjà un match vendredi, donc tout s'enchaîne maintenant. Ta famille, tes amis, tous contents de t'avoir vu rejouer ce soir ? Oui, bien sûr. Je crois que tout le monde était content de me revoir jouer. Donc voilà, ils sont venus, mes petits sont venus malgré que demain il y a école. Ils ont fait l'effort de venir au match aujourd'hui. Et voilà, ça me touche beaucoup et j'espère qu'ils viendront très souvent en tout cas. Qu'attends-tu des prochains matchs ? C'est retrouver mon rythme, essayer d'aider un maximum l'équipe et voilà, essayer d'enchaîner un petit peu les victoires. On sait que le top 5 est très important. On veut vraiment viser ce top 2 directement. Donc voilà, on veut essayer de jouer un maximum de bons matchs et essayer d'enchaîner les victoires. Let's go!